Bonjour mes chers taureaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions ou de messages carrément qui pourraient s'adresser à vous. Par contre, de votre côté, il faut comprendre que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté un peu ingrat du côté du tirage général. Chose certaine, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ainsi que votre signe de Vénus, si vous voulez explorer ce côté-là. Ce sont des informations que vous pourriez aller chercher, qui vous appartiennent, évidemment, qui pourraient vous appartenir. Ça peut être des informations aussi complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait un autre point de vue sur la situation qu'on a vue sur votre signe solaire. Dans tous les cas de figure, toujours, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre famille, à votre ressenti, à votre situation, ce qui résonne. Le reste, on met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Alors, chers amis, si on allait voir maintenant un petit peu les outils utilisés pour votre guidance. Comme énergie globale de la semaine, on continue avec le tarot des anges gardiens ici, l'énergie globale. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec l'oracle des sept énergies et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à deux de vos questions. C'est vous qui décidez dans quel domaine cela va s'adresser, évidemment. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une fenêtre de temps sur la réponse. À vous de voir, évidemment, ça reste un jeu. On prend ça avec un grain de sel. D'accord? On laisse les choses s'appliquer ou les choses, je veux dire, se matérialiser si elles doivent se matérialiser. Maintenant, alors grosso modo, c'est un peu ce que va être le résumé de votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous exprimer ma reconnaissance, ma gratitude. Merci. Merci pour les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens, veut dire, qui ont liké, partagé certaines vidéos dans un but d'entraide, évidemment. Je vous souhaite un gros merci aussi à ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti, veut dire, sur une lecture. Merci. C'est bien de m'envoyer, veut dire, un feedback, veut dire, de ce que j'envoie dans l'univers. Alors, merci infiniment de vous donner cette peine-là. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Merci, 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 merci du fond du cœur. D'accord? Alors, mes chers taureaux, si on allait voir ce qui se passe dans votre semaine du 13 au 19 juin 2022, et on commence tout de suite avec l'énergie globale de la semaine, c'est parti! On parle de réfléchir et faire le point ici. On dit que vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. On vous dit réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ici, je pense qu'on vous... peut-être qu'on vous amène ici. On vous donne peut-être une petite poussée ou un petit coup de coude ici pour vous dire, écoute, c'est peut-être le moment, on va dire, de réfléchir, de voir un petit peu. Peut-être que vous êtes dans une période dans votre vie. Évidemment, ça ne s'adresse pas nécessairement à tout le monde, mais enfin, peut-être même à beaucoup de gens, on va savoir. Je suis certaine, c'est... C'est comme un moment de réflexion, c'est comme un moment de dire, bon, c'est bien beau, j'arrête pas de courir partout, je fais ce que j'ai à faire, là. Mais on se rend compte qu'on court peut-être un petit peu partout, c'est pas nécessairement qu'on est dispersé non plus, mais on fait ce qu'on a à faire. Mais on a comme un petit peu une impression de déjà-vu, une impression de routine, une impression de... Ça commence à devenir ennuyant, on se sent un peu comme un hamster dans sa roue. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. Ici... On est peut-être dans une période de notre vie où il faut faire le point. Est-ce que peut-être, vous êtes peut-être proche de la retraite ou peut-être à la retraite, peut-être que vous voulez, peut-être qu'en tout début du retraite ou du moins dans cet état d'esprit-là, vous avez peut-être resté dans le même domaine. Maintenant, c'est comme si, on devient blasé, on a comme envie de nouveautés. Est-ce qu'on va retourner dans certaines choses, peut-être qu'on avait mis de côté dans nos vies, ou peut-être certaines activités, hobbies, veut dire qu'on avait peut-être mis de côté pour les raisons X, Y, Z. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Je pense que cette pause-là, elle est nécessaire. On est dans le vin ici. On est ouvert à ce qui peut nous dans le vin, c'est-à-dire le 2. On est dans la réceptivité et la collaboration. Donc ici, on n'est pas... On n'est pas fermé. On n'est pas nécessairement fermé, je veux dire, à ce que je devais dire nécessairement, effectivement. On vous invite aussi, on ne peut pas le dire, on ne peut pas passer à côté, on vous invite aussi quand même à sortir un petit peu des sentiers battus, donc sortir un peu de votre zone de confort.
C'est à vous de voir si ça vous parle. Peut-être, comme je vous dis, peut-être des choses que vous n'avez jamais faites, mais que vous aimeriez, peut-être, je vais vous donner un exemple, peut-être que vous aviez dit, bon, la journée, je vais être à ma retraite, je pense que je vais, j'aimerais avoir une petite fermette, là, un petit terrain, je vous dis ça n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, là. Il y en a qui vont peut-être s'acheter une moto, on va savoir. Chose certaine, c'est dans ce sens-là, on veut faire quelque chose qu'on avait toujours dit qu'on ferait quand on serait plus vieux, ou qu'on serait dans telle situation, ou qu'on peut, dans une projection qu'on avait fait éventuellement. Mais maintenant, on est rendu dans la situation où on peut justement réaliser cette projection-là, ou du moins partir, entamer, je veux dire, des processus. C'est dans cette impression-là. On va le voir dans vos cartes, évidemment. On va voir dans votre état d'esprit, comment cette chose-là se passe. Qu'est-ce que ça vous amène? On parle du voyage du cœur ici, hein? On parle de se mettre à l'abri. Et on vous dit la première lumière. Regardons ça, toi. On dit que le voyage du cœur ici, est-ce que c'est un déplacement que vous aimeriez faire? Ça ressemble, parce que le voyage du cœur, pour moi, ça ressemble qu'un petit peu comme une... J'ai envie de vous dire, pas une... Bon, ça pourrait être une quête, oui, mais c'est pas tout à fait. Plutôt comme... pèlerinage. J'ai plutôt envie de vous dire ce mot-là que plus qu'une quête. C'est comme si, vous dire, on revenait sur certains, peut-être périodes de notre vie. On va peut-être aller voir, je ne sais pas, on veut aller voir la maison où on est né. On veut aller voir, je ne sais pas, certaines personnes, des amis d'enfance. C'est comme si on voulait faire un léger retour en arrière ici pour, je ne sais pas, on a comme une nostalgie un peu de certaines périodes de notre vie. Je veux dire, où est-ce qu'on était peut-être plus... Considère qu'on était plus heureux, ou du moins, on n'avait peut-être pas les mêmes soucis, c'est bien possible. Chaussetier, on parle ici que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ici, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans... Au contraire, on est très... avec on est vraiment dans une énergie ici de vraiment d'ouverture. Parce qu'on parle d'amour, mais on parle aussi d'amour inconditionnel. Donc, on fait preuve de générosité, on fait preuve de compassion, de gentillesse ici, à la façon que l'on voit. On a une vue, comment je veux dire ça, une vision de la vie dans le moment qui est particulièrement positive. Donc, on n'est pas à se sentir bloqué ou sentir, veut dire, qu'on se sent exploité ou... Pas du tout. On est ici dans une ouverture d'esprit, veut dire, une ouverture d'esprit, oui, mais aussi une ouverture, veut dire, d'accueillir les gens, les idées, les qu'on pourrait nous proposer. On est dans notre état d'esprit ici. Donc, on est en train de réfléchir, en train de penser à tout ça, puis on se demande, veut dire, un petit peu où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Mais ça reste à quelque part que se mettre à l'abri ici. On vous dit que les réponses sont à l'intérieur. Donc, on est ici... Je pense qu'on réfléchit. Moi, j'ai cette impression-là ici. Je pense qu'en réfléchir et faire le point sur le passé et le présent, c'est peut-être pour ça le voyage du cœur que je vous disais, un certain pèlerinage, le mot était venu instinctivement ici. C'est vraiment... Moi, je le sens vraiment comme les deux cartes-là, c'est le voyage du cœur, je vais vous montrer. Le voyage du cœur et les réponses sont à l'intérieur au niveau de se mettre à l'abri. Pardon. N'oubliez pas, un petit peu, je vais essayer de les mettre une à côté de l'autre comme ça. Bon, ça ne fonctionne pas. Ce que surtout je voudrais vous souligner ici, ce qu'on vous disait ici de sortir des sentiers battus. Ici, vous allez, en vous mettant à l'abri, c'est que vous allez dans des choses qui sont connues. On voit le réconfort ici. On voit, on rentre à la maison. C'est donc les choses, c'est on va mettre nos vieilles pantoufles ici. Comprenez-vous, on est un petit peu on retourne dans nos choses où on est bien, on est dans un petit cocon ici. Mais c'est au contraire, on va dire, oui, mais là, c'est plus le temps. Là, tu commences à être blasé de ce que quand tu commences à réfléchir, t'es blasé, veut dire, de ce que tu as à faire ou ce que tu peux. T'as envie d'autre chose, t'as envie de la nouveauté. Donc, c'est pas en retournant dans tes pantoufles, veut dire que ça vaut peut-être changer de pantoufles, mais... Si la personne qui est dans les pantoufles ne change pas, il n'y a rien qui change. C'est un petit peu dans cet état d'esprit que je vous sens de vous mettre à l'abri. C'est que vous avez peut-être le goût, dans un premier temps, parce qu'on parle quand même de dans notre état d'esprit ici, on aurait le goût de se déplacer, de partir, d'explorer, etc., de mettre à l'œuvre dans toutes les formes, évidemment. Mais ici, c'est comme si nos pantoufles nous appellent. C'est comme si, veut dire, notre envie, on est partagé ici entre « off ». J'ai-tu vraiment besoin d'aller explorer? Je peux-tu...
Je pourrais simplement faire ça sur Internet, sans nécessairement avoir à me déplacer, sans avoir les inconvénients, sans avoir... Comprenez-vous, on est un peu dans... C'est pas tellement dans la paresse, c'est plutôt dans... C'est que je suis bien dans ma vie de maman. Est-ce que j'ai le goût de me mettre dans, éventuellement dans le trouble? C'est un petit peu dans ce sens-là que vous faites votre raisonnement, il dit. On est vraiment partagé entre le voyage du cœur et rester dans nos pénates, dans notre confort, veut dire c'est nécessairement. Alors on est dans ce dilemme-là pour le moment. Hein, c'est important. Mais la carte ici, la troisième carte revient, veut dire mettre les choses, veut dire en perspective ici. On vous parle d'amorcer la première lumière, amorcer un nouveau cycle. Ici, il y a quelque chose qui vient nous. Il y a une idée, il y a une pulsion à l'intérieur de nous qui vient mettre un peu, veut dire, qui vient un petit peu dire, voyons, peut-être, c'est peut-être le côté raisonnable, c'est peut-être votre côté de sagesse qui dit, écoute, d'un autre côté, veut dire, ton chez-soi, tes pantoufles vont toujours t'attendre dans la maison si éventuellement, veut dire, tu t'ennuies tant que ça, éventuellement, veut dire, c'est pas, on ne se sépare pas de rien, là. Donc, veut dire, est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on se raisonne? Est-ce qu'on se dit que... Parce que de toute façon, on veut dire, éventuellement, c'est la même crisette que l'on est en train de vivre va nécessairement revenir assez vite parce que, veut dire, on est dans un état d'esprit ici où on a envie de nouveauté. Donc, on peut se contenter de se dire, ben on aura au moins essayé, mais on retourne dans nos pantoufles sans... On met le couvercle, autrement dit. Mais ici, le couvercle saute tout le temps. Donc, on a quand même conscience, veut dire, que cette pulsion-là n'est pas là pour partir. On peut se rassurer en disant que nos pantoufles nous attendront toujours, éventuellement, si parfois, veut dire, on a besoin absolument de revenir sur nos pas. C'est pas nécessairement quelque chose. Je pense que votre sagesse, votre certaine le fait d'être raisonnable, j'ai envie de vous dire, c'est que de penser, de voir logiquement, veut dire que... La pulsion, elle ne disparaîtrait pas parce que dire, on veut rester, on a le goût d'aller en avant, mais en même temps, on ne veut pas trop brasser les cartes non plus. On n'a pas nécessairement envie de se mettre, comme vous dire, je vous dis, quoique, on va dans la découverte ici. On amorce un nouveau cycle, donc. Même si, veut dire, dans le moment présent, on refuse cette façon de voir les choses à l'intérieur de nous, même si on rejette un peu, veut dire, à passer à l'action, veut dire, éventuellement, l'action va de votre façon prendre le dessus. La pulsion va être trop forte pour l'ignorer ici. Donc, c'est un petit peu dans cet état d'esprit philosophique que vous êtes à vous forcer, je pense, à passer à l'action ici. À passer à l'action, en fait, dans notre tête, c'est-à-dire à évaluer la possibilité d'explorer. OK? Parce qu'on n'a pas de direction vraiment choisie ici. Ici, on est déjà en train de se discuter entre nous pour savoir si on va aller ou pas. On est partagé un petit peu dans ce sens-là, surtout, la décision devient... la pulsion est plus forte que d'aller voir ailleurs, que de rester chez soi, veut dire, bien confortablement dans nos pantoufles. On est dans cet état d'esprit-là. Alors, c'est pas un combat, remarquez, parce que c'est comme si c'est à travers vos réflexions que vous en venez, veut dire, à cette conclusion-là, ici. OK? On les voit maintenant dans l'action. Comment vous vous débrouillez dans ça? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle de quoi? On nous parle de les côtés inexplorés. Oh, mon Dieu, vous voulez vraiment aller vers... Oui, vous êtes décidé. OK. Cher ami Taureau, pardon, on parle du lion ici, on parle de réveiller le lion en vous. C'est de la ténacité, le courage, l'audace. Ici, on se reconnaît pas ici, on se voit comme si on est tout jeune. on fonce dans le temps ici, on est ouvert. On est, comment je pourrais dire ça, avec le 19 en plus, on est dans la position du soleil ici. Donc, on est énergisé, on est... tout feu, de flamme. Si on est prêt à embrasser, veut dire, ce qui arrive à nous, à bras ouverts, j'ai envie de vous dire. On est dans un petit peu dans cet état d'esprit. Ici, on a, une fois que la décision a été prise, tant qu'à le faire, on va le faire comme il faut. C'est un petit peu dans cette sensation-là, on va donner la gomme. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je le ressens avec l'énergie du lion. Ici, on vous parle de pas biaiser, de laisser aller les jugements, de pas... On parle ici de prendre la hauteur, ici. Donc, on n'est pas ici avec beaucoup d'audace et de courage, ici, qu'on a avec l'énergie du lion. Ici, on est dans un état d'esprit, j'ai envie de vous dire, ou dans l'action, la façon qu'on... notre réflexion, la façon qu'elle se fait. C'est comme si, veut dire, on n'a pas le choix d'aller à fond. On peut pas, c'est comment je peux dire, on n'est pas dans une position pour ménager le chou de la chèvre ici.
C'est, il va falloir se décider, mais je en réalité, il va falloir se décider. Vous avez décidé, parce qu'avec cette énergie du lion-là, on peut pas biaiser. On peut pas dire, pour 5 minutes, je vais être comme un lion, puis 5 minutes, je vais être comme un caméléon. Ça fonctionne pas, l'énergie, veut dire, elle est contraire ici. Et l'énergie ici du, je sais pas si c'est un harfang ou en tout cas, peu importe. Ici, on vous amène ici à penser à des énergies, comment je peux dire ça? On est plus... On va chercher une vie beaucoup plus haute. On va chercher une vue beaucoup plus élargie de la situation. On n'est pas... parce qu'on n'est pas toujours... On n'est pas toujours encore là décidé la direction. Là. On a peut-être une idée vaguement, mais ici, dans comme tel, dans l'action, il n'y a rien qui nous guide ou du moins qui nous donne un indice dans quelle direction vous avez choisi jusqu'à maintenant. Mais vous êtes toutes là. Vous êtes toutes disponibles. Vous êtes en harmonie, veut dire, ici, tout simplement. Attendez, c'est bon, c'est bon. Vidéo qui s'est mise sur pause. C'est vraiment une sensation ici de... C'est peut-être une sensation aussi qu'on a de liberté aussi. Parce que surtout avec l'énergie du lion ici, ça peut motiver cette façon de voir. Mais ce qu'on vous demande, ce que l'énergie de la carte vous demande ici, qu'elle vous indique, c'est surtout de vous donner une chance de... Justement, de connaître des choses nouvelles. C'est parce qu'ici, il ne faut pas... Comment je pourrais dire ça? Ici, la carte vous indique d'avoir un œil beaucoup plus élevé, beaucoup plus vous élevé de la situation pour voir un peu plus l'ampleur, on va dire, de la chose. C'est qu'ici, on vous demande de ne pas juger la situation comme vous, avec les mêmes critères que normalement vous faisiez avant. Sinon, vous n'êtes pas dans les connaissances. Là. Vous êtes dans la... On continue notre vie comme elle était. C'est qu'il faut, il faut appréhender les choses, il faut, comment je peux dire ça, accueillir les choses, je veux dire, comme elles sont. Et non pas avec les barèmes qu'on a, avec l'expérience de vie. Parce que c'est pas dire qu'on met tout ça de côté, mais si on veut s'ouvrir, on peut pas gérer les choses de la même façon. Il faut donner une chance au coureur. Ne serait-ce que pour connaître, je veux dire, de nouvelles choses. De toute façon, ici, on est dans l'énergie du 41. Donc, on a un désir, je veux dire, de mettre des choses en place. Mais c'est un désir, on fonce pour le faire de cette façon. Ça nous donne, je veux dire, des directions à choisir, des choix à faire avec le total qui donne un 5. Donc, je veux dire, on n'est pas ici pour commencer à se dire ce qui vient à nous qui est inconnu, parce que là, on est dans la nouveauté, ça c'est sûr et certain, la façon qu'on la considère dans l'action. Donc, on regarde des choses de beaucoup plus haut ici, justement, parce que c'est nouveau, pour pas justement retomber dans nos anciennes habitudes. Sinon, on va dire que ça rime à quoi? C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vois. D'ailleurs, ici, on vous en rajoute, puisque dans l'action, ici, on va chercher des choses inexplorées. C'est des choses qu'on n'a jamais connues. C'est pour ça qu'on vous demande de garder, je veux dire, un œil ouvert, un œil... de ne pas penser à des... ne pas vous référer à vos bases. Je veux dire, quand vous accueillez, on est dans des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, qu'on n'a jamais testées, qu'on n'a jamais, ou du moins qu'on n'a jamais été au bout. Certaines sensations, certaines envies qu'on avait, mais sans mettre en action nécessairement non plus. On est dans cette énergie-là. Ici, on va chercher une direction. On est avec la rose des sables. La rose des sables. La rose ici. C'est comme si, je veux dire, on est... En plus, on est dans l'énergie du 7, c'est-à-dire l'énergie du chakra de la couronne, donc on est dans chakra. Ici, on n'est pas sans moyens ici. On n'est pas sans... Même s'il y a un peu de houle, veut dire la façon que ça se passe. On a des forces insoupçonnées ici. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je l'aperçois, cette carte-là. C'est pour ça qu'on vous demande d'explorer peut-être. Vous êtes dans un moment, dans un état où vous êtes justement... Vous avez toutes les chances de votre côté pour justement explorer des choses qu'on a moins connues, moins essayées. C'est la façon que votre esprit fonctionne, la façon que votre réflexion, la façon que vous voyez, que vous faites les choses, je veux dire, vous êtes dans un état d'esprit justement ouvert ici. Donc, on n'est pas à se retirer des idées, je veux dire qu'on se sent un peu dépaysé. Au contraire, ça nous excite, ça nous stimule, je veux dire, de voir des choses qu'on ne connaît pas, qu'on essaie d'explorer, qu'on essaie d'aller voir plus loin, qu'on essaie de voir avec un autre point de vue. C'est dans cette énergie-là que c'est ce qui nous pousse à l'action. J'allais dire en premier lieu qu'on fait face, mais c'est pas nécessairement... En fait, on fait face... En fait, c'est presque comme si on courait après l'action, là, ici, un petit peu dans cette sensation-là, avec le courage, je veux dire, du lion, ici, avec l'audace du lion. On est dans l'énergie où est-ce qu'on en veut.
On en veut à Médizan, je suis capable d'en prendre. C'est un petit peu dans cette ressenti-là que j'ai. C'est la seule. Le seul. Je dirais pas bémol, mais la seule recommandation ici qu'on vous amène, c'est d'avoir, comme je vous dis, une vue beaucoup plus globale, de ne pas s'arrêter à la première sensation, première impression. Ici, on vous demande de vous élever par rapport pour voir justement la situation plus globalement, pour voir un peu plus, je veux dire, dans quelle direction choisir, parce qu'il y a des directions à choisir aussi. Donc, on est dans cette énergie-là, j'ai envie de vous dire. On est paré. Parce qu'il n'y a pas... De toute façon, je vous sens pas dans l'état d'esprit de dire. J'ai l'impression que du moment que vous avez décidé, que vous dites que vous lâchez les amarres, vous avez lâché carrément sans. Je pense que vous n'avez pas resté. Vous n'avez pas laissé rien qui pour vous. Vous savez que vous pouvez revenir n'importe quand. Donc, vous n'avez pas laissé nécessairement non plus de cordes qui vous ramène à qui. C'est dans cette sensation-là, on a lâché les amarres et on se lance. On va se lancer, on se lance. On a dit qu'on se lançait, on se lance. C'est tout. On y va à fond. C'est dans cette sensation, surtout avec le lion qui me donne cette impression-là. On est dans une période très aventureuse dans cette semaine-là. Je veux dire, peut-être contraire un peu à votre tempérament habituellement. Mais ici, on prend, en fait, j'ai presque envie de vous dire que vous prenez votre pied. Parce qu'on est stimulé par cette énergie-là. On se sent vivant. C'est comme si, veut dire, on se donnait un second souffle à notre vie. C'est un petit peu dans ce ressenti-là, veut dire, de s'amener à connaître des choses qu'on ne connaît pas. C'est on se sent aventureux, on se sent héros, on se sent dans cette sensation-là que je vous sens. De sortir peut-être plus jeune aussi, peut-être aussi cette sensation-là. C'est un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est sûr, certaines, c'est pour vous, vous êtes... vous profitez. Moi, je vous sens comme si vous profitez de cette énergie-là. Pour vous, c'est pas compliqué. C'est pas encore compliqué, au contraire. On est heureux d'être dans l'action, enfin. On s'éclate. Ici. OK? On va aller voir dans le résultat. Ça peut être la résultante, ça peut être l'évolution aussi, ça peut être aussi une direction, on pourrait dire aussi. Ça peut être une réponse pour certains aussi. Ça dépend évidemment où est-ce que ça vous touche. Alors, allons-y. On parle ici de la fillette aux racines. On vous parle du cactus à cornes. Et ici, de danser sur un pied. Wow! OK. On est polyvalent. Ici, 46, 29, 9. OK. On est dans le 46, dans le 1, dans l'action. La fillette aux racines, on parle de reniement de soi. Ici, on essaye de dans le feu de l'action, parce que regardez bien, vous voyez le personnage, comment il est, un peu replié sur lui-même ici. C'est comme si, veut dire, dans un désir d'aller vraiment dans l'action, je veux dire, dans un maximum, ici, comme je vous dis, on s'éclate. On est dans une énergie, veut dire, qui nous stimule, qui nous pousse en avant, veut dire, on se sent invulnérable, on est un héros, on est un champion, comprenez-vous, dans cet état d'esprit-là, un peu inconséquent, un petit peu dans le déséquilibre, j'ai envie de vous dire, parce que trop, c'est comme pas assez. La fillette et racine, ici, on parle de... C'est comme si on arrive dans un changement, comment je pourrais dire ça, un changement un peu... C'est que ce genre d'énergie-là, ici, ça vous amène certaines contradictions à l'intérieur de vous. C'est que vous avez un côté de vous qui semble tout heureux, tout feu, tout flamme. Veut dire, on est prêt à lancer notre bonnet par-dessus. par-dessus, je ne sais pas quoi, les moulins. Chose certaine, c'est comme si, veut dire, on est vraiment prêt à peu près à tout. Mais il y a une petite pensée en arrière de votre petite tête qui vous dit un petit peu comme si on essayait de vous retenir. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. C'est comme si... Attendez-moi une seconde, ça sonne à la porte. Oh, excusez-moi. OK, alors la fillette aux racines, le reniement de soi. Ici, c'est comme si... Il y a un doute. Ici, c'est... Je pense que moi, je le vois comme... ce que je perçois de cette carte-là, c'est comme si, c'est-à-dire, c'était un doute sur... Un moment de réflexion, un moment, c'est comme si on revenait à la réalité. Un doute sur notre capacité à tenir ce rythme-là un peu, parce que c'est contrairement peut-être à certains
votre vie peut-être passée dernièrement, ben, si c'était beaucoup plus réglé comme une horloge, beaucoup plus tranquille, bon, il peut vous tendre la tête pour voir quelque chose, mais c'était pas... Ici, on est vraiment dans l'action déchaînée, là. On est dans cette énergie ici, veut dire, où... on est vraiment... On fait appel à tout, à toutes nos facultés ici. Ici, dans la résultante, ici, c'est comme s'il y a un moment, il y a comme un moment, on va dire que, j'allais dire de réflexion, mais comme un moment de lucidité, j'ai envie de vous dire, mais quoique, lucidité est un grand mot, dans le sens qu'on se pose la question si justement, on va dire, on est en mesure de terminer l'action qu'on a engrangée ici. On a comme un moment de doute sur nos capacités. C'est un petit peu le repliement qui est bien d'un autre côté parce que ça vous ramène, veut dire, à vos racines, à justement à vous ancrer, à justement, veut dire, reprendre un certain équilibre, veut dire, parce que je ne peux pas faire autrement de vous dire que cette énergie-là, c'est quand même des énergies qui sont très fortes. Donc, ça peut éventuellement, justement, vous je ne dirais pas vous faire peur, mais quand même vous mettre un petit peu dans un... Le temps qu'on est dans l'action, c'est pas un problème. Mais là, ici, on est un peu à la réflexion, on veut dire, de tout ce que ça nous amène, en fait, d'énergie ici. Et ce que je ressens ici, c'est un petit peu ça. C'est comme si, veut dire, on se demandait éventuellement, est-ce qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre? Cette sensation-là, avec la fillette aux racines, avec le reniement de soi. Par contre, ce qui vient justement... un peu, pas éteindre, mais je dirais mettre en contexte, je veux dire, cette sensation-là, parce que n'oubliez pas, vous êtes dans cette énergie que vous ne connaissez pas. Cette sensation, je veux dire, de perdre un peu les pédales ou d'y aller peut-être un peu trop fort, c'est, tant qu'à moi, c'est normal par rapport à cette énergie-là que vous dépensez ici, que vous n'êtes pas nécessairement habitué non plus de dépenser de telle façon ou même de cette façon-là. C'est comme... c'est l'intensité des moments aussi dans l'action. Donc, ce petit enfant intérieur qui vous dit « Ah, je commence à avoir peur parce que là, ça va trop vite. » C'est un petit peu cette sensation-là aussi, comme on est dans un manège, c'est trop tard, on est embarqué dedans, on ne peut pas descendre n'importe quand, il faut attendre que le cycle soit terminé. C'est un petit peu ce ressenti-là que je vous sens ici. Mais de notre côté, vous êtes justement à la bonne place pour vous ancrer, pour reprendre vos esprits, pour reprendre, veux dire, votre foi en vous. Évidemment, on va chez nos racines à l'intérieur de la terre ici. On vient se nourrir, veut dire, des énergies qui sont dans la terre ici, reprendre un peu plus confiance en nous. Quoique je ne vous sens pas non plus ravagé par le... Mais c'est comme je vous dis, un petit moment, une petite pensée lucide qui veut dire, c'est pas trop gros ce que tu essayes d'avaler. Là. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Mais on vient tout de suite vous dire 29-11-2 avec beaucoup de réceptivité, avec beaucoup de sagesse. On vient vous dire ici, s'épanouir grâce à la résilience ici. On assume. On assume les décisions qu'on a prises, même si à l'arrière de notre tête, il y a comme la petite pensée qui est venue vous dire « T'es sûr que t'es capable de faire ça, toi? » C'est comme, ici, on se dit « Garde, on va s'ajuster tout simplement avec beaucoup de résilience. On est capable de prendre ce qui vient à nous avec l'expérience de vie, notre conscience, notre base. On vient un peu... un peu démontré à ce petit côté-là qui est venu un peu gratiner notre jugement ici, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on sait comme non. C'est normal qu'on a une conscience, veut dire que c'est normal qu'on ressente cette impression-là, parce que c'est un des comportements qu'on a. C'est les gestes qu'on fait, c'est la façon que l'on pense, l'action à laquelle on... La façon qu'on pense à l'action ici, qui... Pour vous, c'est normal. Pour vous, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'action. De toute façon, vous n'avez aucune envie d'arrêter. On le ressent ici avec le 29-2. On est trop engagé dans cette action-là, dans cette nouveauté-là qui nous élimine à quelque part. Parce que on est quand même excité dans cette énergie-là. On ne sait plus où les yeux, il y a trop de choses à regarder. C'est un petit peu dans cette sensation-là aussi que je vous sens ici. On parle de danser sur un pied, on va trouver un certain équilibre. Okay? C'est normal que dans le moment présent, vous êtes tout feu, tout flamme également. Ici, on parle de danser sur un pied, on parle d'un équilibre. On parle de retrouver pas nécessairement ses marques, parce que comme je vous dis, on est toujours dans le
quoique oui, certaines marques, parce que je veux dire, on est quand même, on travaille quand même avec notre base. On sait jusqu'où on peut aller. Mais on est dans un désir ici, justement, de faire cesser ce genre de d'énergie-là ici qui vient un petit peu, pas casser notre fun, mais qui vient un petit peu amoindrir le plaisir qu'on a. Ça ne dure pas, remarquez, parce que je veux dire, on retrouve un certain équilibre entre ce qu'on veut faire, qu'on veut lâcher un peu du lait, qu'on veut lâcher notre fou. Je ne dirais même pas lâcher du lait, c'est plutôt lâcher notre fou. On va à fond la caisse ici. C'est un petit peu dans cette sensation-là qu'on vous ressent ici. Donc, on a peut-être un peu moins de réflexion. C'est pour ça que pas d'un avertissement, mais votre base, elle vous a envoyé un message, vous dites est-ce qu'il y a moyen, veut dire, on a un peu passé outre de tout ce qu'on s'est donné comme limite et tout dans notre vie. Là. Comprenez-vous? Mais ici, on se dit, c'est normal, excusez-moi, je suis en train de perdre mes cheveux, c'est normal, veut dire que la façon que tu fais les choses ici, avec beaucoup d'emphase, avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup d'énergie que tu mets, veut dire, c'est normal que tu te sentes un peu dépassé. Donc, cette pensée-là, veut dire, devient nécessaire. C'est un système d'alarme qui devient nécessaire, mais pas nécessairement pour vous arrêter, mais pour vous, juste pour vous souvenir que vous avez des limites, vous aussi. OK? Mais l'équilibre se replace ici. L'équilibre veut dire, viens. On est ici, justement, bien guidé, bien protégé ici. Il y a un équilibre qui se reprend ici. On parle, on est en mesure de danser sur un pied s'il le faut. Il n'y a pas de difficulté. On est en mesure de prendre. Je pense que votre façon de faire, votre façon de réfléchir, la réflexion que vous avez, puis l'enthousiasme que vous mettez aussi dans l'action ici. Ça vient réveiller certaines forces que vous aviez oubliées, peut-être, ou certaines. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez une sagesse, parce qu'on voit que vous faites quand même référence à certaines, à une expérience de vie ici. Donc, on a quand même une certaine sagesse de la vie ici. On a quand même une certaine. On connaît la vie, hein, on a déjà vu neiger. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens. C'est pas. Je pense que c'est bien que cette carte-là soit venue, parce que la seule veut dire qu'il pourrait temporiser certaines énergies, mais c'est même pas encore assez comparativement à toute énergie que vous dégagez ici. Puis comme je vous dis, vous reprenez tout de suite, vous repartez, veut dire, dans cette sensation-là. Vous voulez terminer, veut dire, ce voyage-là. C'est comme si, veut dire, vous aviez pris votre billet pour y aller, mais on va y aller jusqu'au bout. C'est tout. Veut dire, tant qu'il y a eu si longtemps, veut dire qu'on ne sentira pas, veut dire qu'on n'est pas du tout. Soit on n'est pas dans la bonne direction, ou qu'on n'est pas, on fait pas du tout les choses de la même façon, de la bonne façon, ou quoi que ce soit. On va continuer. On sent qu'instinctivement, il faut aller dans cette façon-là. Veut dire, on va à fond. Tant qu'à prendre une décision, on y va à fond. On le fait ou on le fait pas. On le fait pas à moitié. C'est un petit peu dans cette sensation-là que je vous sens. Vous êtes prêts à jouer le jeu. OK? C'est un beau tirage, cher ami, parce que c'est un tirage qui. Le mot est venu de vous confronter à vous-même, mais d'un autre côté, je ne vous sens pas non plus à résister. C'est ça qui est bien. Vous êtes même en mesure, avec beaucoup de sagesse, parce que vous vous connaissez, il y a ça aussi, à ne pas vous laisser arrêter ici par le reniement de soi. On sait qu'on est dans la nouveauté, donc pour nous, on ne renie rien. On fait juste engranger de nouvelles expériences et de nouvelles façons de nourrir notre base aussi, de mettre à jour notre base aussi également. Donc, on n'est pas on se sent pas en danger ici, dans la situation. On va finir, si vous le voulez bien, en conclusion, en relisant la carte de votre énergie globale de votre semaine. Réfléchir et faire le point. On vous dit, vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de reconsidérer, ou plutôt de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Ici, on se lâche lousse, là. Mais de toute façon, je vous sens bien dans cette énergie-là. Je vous sens vraiment bien. Je vous sens vraiment. Je sais que c'est peut-être contraire, peut-être à votre nature. Si on parle non seulement du. C'est pas. Ce genre de tirage-là, en tout cas pour moi, c'est inhabituel pour un taureau. Mais ça ne veut pas dire que les taureaux, veut dire, ne sont pas capables d'aller dans l'action. Mettez-le dans le contexte, là. Ce que je veux dire, c'est que normalement, vous êtes un signe, normalement, qui est beaucoup plus très terre à terre. Donc, se lancer un petit peu dans l'inconnu, pour vous, c'est pas quelque chose d'habituel. Ça prend, on va dire, à un moment donné, peut-être un effort, peut-être plus, un peu plus. C'est vrai que vous avez des ascendants aussi. Mais quand même,
Si on parle du taureau pur, en général, il va avoir besoin d'un peu plus d'encouragement pour se lancer dans le vide. Parce que c'est un petit peu ce que vous avez fait. Donc, c'est tant mieux. Tant mieux. Ça correspond à votre situation. Ça correspond, on veut dire, à votre désir intérieur. Puis c'est merveilleux parce que on voit que vous en sortez très bien, que vous êtes très, très confiant, même dans la façon, même si on se dit on se lance sans filet, à quelque part, on va dire, on a une expérience de vie. On n'est pas né hier. Là. Donc, on se dit, quoi qu'il arrive, qu'on se sent ou quoi que ce soit, qu'on veut, on est en mesure de faire un virage ou de stopper ou peu importe. On ne se sent pas en danger de toute façon. OK? Donc, c'est une semaine qui est très enrichissante pour vous. C'est une semaine, veut dire, qui vous amène des intérêts, qui vous amène, veut dire, certaines ouvertures que vous n'aviez même pas pensé. Il veut dire que vous auriez pu avoir cette occasion-là dans votre vie. C'est sûr que là, vous avez provoqué certains événements. C'est sûr et certain. C'est une semaine... Je dirais que c'est une semaine qui est très, très enrichissante pour vous. C'est une semaine, veut dire, qui va vous... Moi, je peux dire ça. Ça vous ouvre une autre perspective. Vous n'allez pas voir la vie nécessairement de la même façon après. On est beaucoup plus tolérant, beaucoup plus ouvert sur les autres, beaucoup plus ouvert même sur nous aussi. On se donne un peu plus de jeu, je veux dire. Je ne veux pas dire qu'on est mal élevé, là. Pas dans ce sens-là. C'est qu'on se donne peut-être un peu plus de permission. On est plus permissif envers nous de se laisser un peu plus aller dans certaines occasions. Puis il le faut aussi parce que le lion vous demande ce lâcher prise là, sur le contrôle de vos réactions. Ici on est l'énergie du gagnant du lion. Elle est ici, c'est une énergie. On est là pour gagner. On n'est pas là pour dire pour juste crier et puis rah 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 puis c'est fini. On veut aller au bout de l'action. On veut arriver, veut dire à trouver la proie. Ici, on n'est pas là pour s'arrêter en plein milieu. Donc, c'est enrichissant. C'est vraiment une semaine enrichissante, d'après moi, pour vous. Je pense pas que... Moi, je la vois comme une semaine qui est très... avec de l'action, mais ce qui vient en parallèle avec ça, c'est comme... C'est wow, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir vivant. Ça fait du bien, il veut dire, de se sentir dans l'action. Ça fait du bien de connaître des nouvelles personnes, des nouvelles choses dans notre vie. C'est comme si, il veut dire, tout c'est comme si on renaît tout d'un coup, il veut dire, dans une autre situation ici, parce qu'on s'est amené à faire des choix, il veut dire. Donc, on n'est pas dans du connu. On a décidé de sortir des sentiers battus, de toute façon. Donc, ça nous prend cette ouverture-là, c'est évident aussi. OK? On va aller voir si vous le voulez bien à la deuxième partie. Répondre à deux de vos questions. Je vais remettre les animaux ici. Alors, pour différencier les réponses, je vous ai mis un perroquet et je vous ai mis un poisson ici, tout simplement pour différencier les réponses. Alors, si c'est comme d'habitude, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou la formulation de vos questions, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, repartir la vidéo pour avoir les réponses. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, je vous laisse quand même 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Alors, je vous en prie, à vous, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions, cher ami Taureau. Alors, pour le perroquet vert ici, réponse à votre question, on vous dit que ce n'est pas le bon moment ici. Mettez-le évidemment en relation avec votre question, mais ce n'est pas le bon moment selon la réponse ici. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle dans les semaines à venir. Peut-être des opportunités où il y a peut-être des choses qui vont venir peut-être éclairer pourquoi. Ce n'est pas le bon moment immédiatement aussi. Mais dans les semaines à venir, alors ce n'est pas trop long à attendre. Au niveau du poisson ici, la réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous attendre à un signe ici. Soyez attentif. Il y aura peut-être des synchronicités qui vont se présenter ou des sensations ou peu importe, des interrogations. De toute façon, attendez-vous un signe. Ça peut arriver de n'importe quelle façon, c'est sûr. On parle de janvier ici. Est-ce que c'est d'ici janvier prochain ou c'est depuis janvier que vous attendez quelque chose? Vous avez posé une question. Depuis janvier, vous attendez une réponse? À un moment, on vous dit de vous attendre un signe. Est-ce qu'on ne veut pas vous donner tout de suite la réponse? Je ne sais pas. C'est évidemment, ça vous appartient, ces énergies-là. Alors, grosso modo, c'est un peu les réponses que je peux vous donner, cher ami. Alors, je peux vous donner, en fait, c'est pour moi qui vous les donne. Mais chose certaine, je pense que c'est une semaine pour revenir au sujet, parce que
Les réponses ici me surprennent pas dans certains sens. Je sais bien que ça peut pas nécessairement être lié nécessairement au tirage, mais j'ai l'impression qu'on vous demande ici, peu importe la question que vous avez posée, on vous demande d'utiliser la même énergie que vous allez avoir besoin dans la semaine. C'est assez rare que j'ai cette sensation-là, mais c'est un peu ce ressenti-là que j'ai par rapport même aux réponses ici qu'on vous donne. C'est assez spécial. Enfin, bref. Cher ami Taureau, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 13 au 19 juin 2022. Comme je vous l'ai dit, c'est une excellente semaine. Je pense que vous allez avoir du plaisir à la vie. Il y a des choses nouvelles qui viennent à vous. Vous lancez, veut dire, sans aucun problème. Pour vous, c'est excitant. Il y a un peu d'adrénaline qui vient là-dedans. Alors, on vit une aventure et on apprécie, veut dire, de vivre ce moment-là. OK? Alors, cher ami Taureau, je vais vous souhaiter évidemment une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi parce que, de toute façon, je pense que c'est évident que vous vous amusez. Chose certaine. Alors, prenez soin quand même de vous. Et nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.